Hey, 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 que tout le monde est bienvenu pour ce nouvel épisode du Lord and Lady. Bon, il y a une voiture qui vient de passer, on fait semblant de ne pas avoir vu, d'accord, hein, on reste RP. Et dans ce nouvel épisode, je vais vous présenter des petites nouveautés que je viens d'installer dans la petite maison de nos petits Flaubert. Et comme vous le voyez, OMG, on a la balançoire qui a fait son apparition, ainsi que, oh, tiens, tiens, un petit barbecue qui vient avec Soulani. Puisque j'ai jarté le feu qui nous a mis le feu la dernière fois. Puis on a des petites choses nouvelles comme des cagettes. On a une brouette, hein, parce que comme on a eu de l'argent avec les dernières récoltes, on a pu enfin s'acheter une brouette. Bon, en vrai, elle est gratuite, elle ne coûte rien et elle est dans le débug. Mais bon, hein, c'est pas grave. Il y a aussi la petite maison qui a eu quelques petites verdures qui a poussé entre-temps. C'est normal, c'est le temps qui passe. C'est comme ça. Et dans la maison, nous avons maintenant 6 places autour de la table. Nous avons donc 2 chaises de plus. On a des petites étagères et des petites épices qui pendouillent en dessous pour pouvoir faire à manger. J'avais oublié que le truc de Soulani coûtait 2000 simflouz. Donc, je pouvais pas l'installer avant. On n'avait vraiment pas d'argent. Et il nous en reste 3700. Je pense qu'on est quand même un petit peu à l'abri. Et pouf, c'est bientôt l'anniversaire de Tancred. Ben ça, c'est dingue déjà. Ça grandit beaucoup trop vite. Ah bah oui, effectivement. Il risque de grandir dans cet épisode alors. Et voilà. Notre petite île de garde est déjà bien cracra. Oh bah dis donc. Ça se lève, hein, ça se lève tout ça. Anastase, quant à lui, va grandir dans 2 jours. Ah, notre grand Fulbert se lève également. Tu vas pouvoir manger. Ah, oh, ça pue la couche de bambin. Bah ouais, c'est le jeu, mon pauvre. Faut que je les surveille parce qu'après ils vont aller en cours tout seuls, donc j'ai les yeux dessus. Et oh, Anastase, non! Et en plus, je t'ai cliqué dessus. Oh, tu vas me nettoyer ça direct. Non, tu vas pas en l'école. Y a personne qui va à l'école. Non, 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 non. Non. Ouais, ça rigole les deux, hein. Au lieu de faire des bêtises, vous allez vous. Bah, quoi, vous pouvez discuter. Après, Anastase, tu sais, je vais t'envoyer pêcher. Avec le truc de Soulani, on pourra faire un repas à base de poisson. Donc, ce sera pour tout le monde et ce sera mieux. Oh là là. Dommage que ce soit un seigneur, lui, parce que. Pour nos filles, ça aurait été cool. Oh, tiens, qu'est-ce que c'est ça? Ah, bah, pareil. Zut, il n'y a que des garçons qui sont seigneurs. Comment on va les caser, nos filles? Bon bah Pétronique devine. Tu vas pouvoir refaire des macaronis au fromage. Mais qu'est-ce qu'il fait lui? Mais il fait la lessive! Mais non! Mais je l'ai pas surveillé cet idiot! Oh j'en peux plus! Oh ils vont me rendre dingue. Allez tu vas te laver un peu. Mais t'es gentil mais non la lessive quoi. Ah zut! Et le pire c'est qu'il se plaint parce qu'il a mal au bras d'avoir lavé le linge. Non mais franchement. Oh et oui, concernant la lessive, j'ai aussi ajouté un deuxième panier hein, pour éviter que Petroni le fasse tout le temps. Bon bah, libère la corde à linge hein, et puis on va pouvoir prendre celui-là qui a été fait par Mathurin. Oh là là, les petits sont réveillés. Nathan Cred qui est déjà... Bah, mais il a mangé? Mais qu'est-ce qu'il a mangé? Non, Petroni, c'est pas le temps de t'amuser, là, il y a ta fille qui a faim. Va lui donner à manger s'il te plaît. Merci ma belle. Et un petit changement de couche pour Tancred. Donc ça relève un petit peu le niveau d'hygiène, mais c'est pas assez pour, hein, pour le remonter complètement. Bah Mathurin, si tu t'ennuies, t'as le jardin. Toujours. Toujours le jardin. Tu peux t'entretenir. Voilà, tu vas faire ça. Regardez-moi tous ces fruits du dragon. Oh la tristesse. Regardez comme elle est jolie. Mais c'est une bourgeoise. Donc ouais, voilà. Et bah exactement, tiens. On n'a pas le droit d'y toucher. T'es pas un peu coincé là? Viens pêcher. T'es un peu coincé? Tu m'as fait peur un peu, Anastase. Ramène du bon poisson pour ta maman. Je pense que depuis tout à l'heure, tu m'as rien ramené du tout. Oh là là, qui c'est qui a fait ça? Maman, tu fais quoi? Tu fais quoi hein? Ah, tu jouais avec ton garçon? Mais t'as refait une. Non? Oh là là, puis tu pourras changer l'eau. Oh, puis il est dégueulasse ce gamin. C'est plus possible. Et elle enchaîne. Non mais c'est bon. Papa, tu vas engueuler ta fille aussi. Allez, ça récolte. Oh, quoi que cela. Bah lui il est content, tout va bien. Tu m'as récolté combien de fruits du dragon? Qu'on rigole un peu, qu'on se fasse peur. 29! Ok, ah punaise, oui, il a du linge sale sur lui, super. Oh oh oh, par contre elle, bon elle vous dira peut-être quelque chose. Mais elle est, c'est une fille d'artisan et elle est adolescente, donc... Elle peut être très intéressante pour nanono garçon. Tout ça est très 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 normal.
Allez, cours, Fulbert! Cours avec ton assiette vers peut-être ta destinée! Cours, Forest! Cours, vite! Oh bah là, ça a cassé ici. Tu peux venir réparer, Mathurin, s'il te plaît? Ça y est! Il a réussi enfin à la voir! C'est un peu ennuyeux comme conversation, donc c'est pas cool. Allez, vous allez faire connaissance. Ah bah! Oh, et regardez, il y en a une autre! Jeanne-Marie Fourquin, fils de fermier! Oh là là, Anastase! Anastase, s'il te plaît. Oh bah ça va en faire plein. On va pouvoir choisir comme il se doit une future femme pour chacun de nos garçons, c'est cool. Ah ouais, d'accord, c'est elle qui est venue. Bah écoutez, c'est cool. Parce qu'il y a aussi la petite, là, Sarah Marie, qui effectivement a envoyé un petit message. Mince, j'ai loupé, sinon j'aurais dit oui. C'est bientôt l'anniversaire d'Anastase. Eh oui. Pendant que Fulbert conférette. Bon bah elle est partie. Allez, tu vas rentrer mon beau. Mais tu vas pas jouer qu'un jour. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il a un super trait il est mature et solitaire. Tout pour plaire. Oh putain, c'est les gosses, j'en peux plus. Et lui là, gros nanar, va. Bah tiens, bien fait. Tancred. Bah, Tancred, il casse les pieds parce qu'il a faim. Donc sa petite sœur va l'aider à manger. Voilà. On va te servir une plâtrée de pâtes là, hop, allez, miam. Voilà, une petite conversation entre adultes ou presque. Allez, sommeil dodo pour tout le monde. Et ça vous fera les pieds. La première levée du jour, c'est Radgonde. Et non, les autres, vous n'allez pas à l'école non plus. Oh là 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 là, ça va défiler. Anastase, tu me gonfles, nettoie ça. Oh, j'en ai marre. Oh bah, alors lui, à peine levé, il s'est dit « Ouais, non, mais là, ce matin, je suis motive, je vais directement m'occuper du jardin. » Bah, écoutez, on va le laisser faire, hein, tant qu'il travaille. Non, mais pourquoi ils sont partis à l'école? Je leur ai pas demandé d'aller à l'école! Oh! Mais pourquoi? Mais qu'est-ce que c'est que cette diablerie? Oh là 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 là, ils m'ont kidnappé mes gamins. Bah, tu te fous de moi, quoi? Elle veut pas reprendre les macaronis, bah tu jettes tout. Bah voilà, tu nous as flingué de l'argent. T'es chié, hein. Franchement, là, Petroni, ça va plus. Hein. Cette fois-ci, c'est toi qui chiantes. Elles sont pas choupies, mes petites filles, mes petites garçonnes, j'allais dire. Là, avec leurs petits bonnets d'hiver et leurs petites tenues d'hiver. Elles sont trop choupettes. D'ailleurs, niveau jardin, on a des fruits du dragon qui sont devenus maintenant de qualité excellente. Donc, à mon avis, les fruits doivent bien valoir cher maintenant, encore plus quoi que d'habitude, je veux dire. Tandis que bébé Tancred a commencé à clignoter. Mais qu'elle est mignonne. Elle fait ses devoirs assis sur avec ses petits frères et sœurs. C'est trop choupi. Wesh! Alors déjà, d'une, t'es gentille, mais tu fais pas la lessive. C'est à ta femme de le faire. Et regardez-moi ce... ce nuage de puanteur. C'est incroyable. J'avais jamais vu à quel point on pouvait les suivre à la trace et à l'odeur. Oh, Radgonde, j'en ai marre de vous. Kinégonde a la note de D. Et Anastase est irresponsable. Mais c'est génial. Anastase a F. Oh mon dieu. Moi, je voulais regarder au niveau des... On est déjà à 47, hein, du dragon. 472. Oh my god. On va tellement être friqué. Je crois que Petroni est légèrement... malade, légèrement. Bon les gosses, finissez vite de manger. Toi tu vas jouer avant que tu fasses des conneries. Parce que je pense qu'on va bouger un petit peu. Donc c'est surtout à toi de bouger, de manger Hildegarde. Hein. Allez, finis ton assiette. Bon, il m'en faut voir de toutes les couleurs. Hein. Oh là là! Qu'est-ce que t'as encore fait? Oh là là, j'en ai marre. Ouais, j'étais en train de dire que ils m'ont fait voir de toutes les couleurs, mais je les aime, ils sont trop mignons quand même. Elle est mauvaise, hein? Cunégonde, elle est mauvaise en ce moment. C'est vraiment une saleté. Oh, regardez comme c'est choupi! Ils sont tous à table! Oh, je fous. Ok, ils se gardent à finir de manger. On va pouvoir bouger. Ok, nous voilà à l'auberge du dragon. C'est la meilleure heure pour les Sims radins. C'est une bonne nouvelle. Eh bien, nous allons déjà demander à Petroni de laver les gosses. Oh là là, mon dieu, qu'est-ce qu'elle pense à quoi? Parler et
aller voir le bambin. Non, mais tu vas commencer à donner un bain de mousse au petit Tancred. Et puis, on va déjà commencer par ça. Ah, ma belle. Allez, Tancred. Il est donc temps de te laver le cul, ton premier bain. Ah, aujourd'hui, c'est jour de fête. Hein. Ça, on peut emmener tout le monde va pouvoir s'amuser. Voilà, Fulbert fait tout de suite joujou. C'est parfait. C'est pour ça que je vous emmène ici. Il y en a pour tous les goûts. Oh, alors, Tancredo. Oh là là, t'es content. Tu vas avoir les fesses toutes propres. En plus, il va devenir enfant, peut-être maintenant. Hein, on ne sait pas. Anastase, ça avait changé. Il avait changé ici, mais... voilà. Oh, ça fait du bien, tout ça. Oh, et les trois petits monstres, ils sont en train de jouer aux cartes. Oh, c'est trop cool. Voilà, comme ça, au moins, pendant ce temps-là, ils sont sages. Ils sont trop beaux, mes enfants. Regardez, ces enfants d'amour. Quand ils sont sages comme ça, c'est les plus beaux du monde. Hein. Oh là, il y a du beau monde ici. Oh, madame, je crois que vous avez un petit bébé dans le tiroir. Regardez la différence de classe entre Mathurin le cracra et cette belle dame qui est une seigneure, quoi. Tout ça se voit beaucoup, la différence. Non. Radgonde, juste quand je vous disais que vous étiez sage et adorable, vous, franchement, j'en ai marre. Tu nettoies et papa, il va venir t'engueuler. Pendant qu'Hildegarde a eu son bain, voilà, tout le monde est beau comme des carottes. Oui, pourquoi pas, les carottes c'est sympa aussi quand même. Allez Mathurin, tu peux venir prendre un bain de mousse, je pense que tu le peux, aujourd'hui c'est jour de fête. Voilà, alors tu peux. Réunion des héros médiévaux. Enfilez votre belle et pleine armure pour la soirée chevalier. Mais c'est très bien ça, c'est pas vraiment dans le thème de la série. Oh là là, qu'est-ce qu'ils vont me faire? Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Ah. Ah. Punaise, Cunégonde, tu as lourdi la facture, saleté de gamine de mes fesses. Va parler. Oh. Non, non, je t'ai dit non. Il est hors de question. Oh là, la vache. Ah. Oui, hein, mais emprunter un lit, c'est la DH1, hein, c'est... Je m'en fous. Je m'en fous, Anastase. Tu viens là, point barre. Franchement, tu te prends pour qui? J'allais donner un bain à tout le monde, mais là, vu comment vous vous comportez, eh ben, ça va pas se passer comme ça. Bon, ça vient la Bérésina un peu quand même. Hein. Je surveille les lits parce que tout le monde a envie d'y aller. 21h, j'attends que monsieur Mathurin finisse son bain, qui met 10 ans. Oh là là, Fulbert, non! Non, Fulbert, no way, Fulbert, ça suffit. Tu viens là. Tu vas discuter avec les gens, j'en sais rien. Il y a des gens ici, vas-y, va discuter avec eux, c'est sympa. Oh là là, elle aussi. Oh, oh, ça devient catastrophique. Je le saigne, je le saigne. Mathuring, tu finis ton bain, oui ou merde? Ça y est. Les seigneurs sont arrivés. Enfin, les seigneurs, les chevaliers, pardon. Ça y est, je commence à m'embrouiller toute seule. Bon, pendant que monsieur Mathurin daigne finir son bain, j'ai renvoyé tout le monde à la maison. Donc, ah, Tancred est à la garderie. Ah bah oui, bah non, c'est pas ce que je voulais faire, mais c'est pas grave. Mais il est méga heureux de prendre un bain, hein. Je pense que ça devait lui démanger de avoir de la croûte de crasse dans certains endroits de son anatomie, que je ne nommerai pas, mais que ça devait pas être agréable. Okay. Allez, t'as fini, okay. On rentre. Allez, la petite famille de rouquins, ou presque, rentre à la maison. Non, 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 tu fais pas la vaisselle. Tu fais pas la vaisselle. Mais pourquoi je clique, regardez, ça ne prend pas en compte. Et en plus, il n'y a déjà plus à bouffer. Allez, bah, Petronille, t'es bonne pour en refaire. Allez, commence pas à casser les pieds. Hein. Discussion entre hommes. Et Tancred, en parlant d'hommes, Tancred, bah, il continue de clignoter tranquille. Hein. Et puis il joue. Voilà, ça joue pour l'instant. Bon, les morpions, vous les avez mangés. Même si vous crevez pas de faim, parce que c'est pour avoir faim en pleine nuit et hurler. Oh, 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 Tancred a vieilli, il sera en aspiration à les facultés sociales, et sera 1, 2, 3, morose. Mais quel bonheur, ces garçons. Oh, punaise. Oh, la bouille. Oh, là, avec ses lunettes, j'ai l'impression de voir Harry Potter. Non, franchement, il est trop cute. Bah voilà, il a grandi, fini les bêtises pour Monsieur Tancred. Oh, il est absolument trop choupi. Il est vraiment beau. Bon, allez, les amoureux, vous avez cruellement besoin de distraction. Vous allez faire un petit crac-crac des familles, là. Hein, à l'abri des regards de vos enfants. Vous inquiétez pas, il n'y aura pas de bébé. C'est fini, ça.
On est bien trop ouais. Allez, allez vous amuser sous la couette. Voilà, il a été relooké et en attendant qu'il ait sa propre chambre, eh bien, il dormira un petit peu sur le banc. Wesh! Regardez-moi ça! Non, 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 non. Pas d'école pour vous, les enfants. Regardez mes trois garçons rouquins. Voilà, il y en a un qui fait des grimaces. Et les deux autres, ils sont absolument... Alors, ils se ressemblent pas du tout, en fait. Hein. Ils sont roux et bouclés tous les deux, donc j'aurais peut-être tendance à les confondre à cause de ça. Mais deux visages, ils ont rien à voir. Hein. Oh bah, merci, Cunégonde, pour ce moment de poésie. Oh, Cunégonde, je te hais, je te déteste, je te méprise, pétasse. Tandis que Petronille s'est dit, c'est l'heure pour faire la lessive. Alors, lessivons, lessivons, les citrons. Pourquoi pas. Pendant que notre cher petit maturingue fait son jogging, on va mater ce qu'il a récolté. Oh, on a des cerises. Ah oui, mais c'est vrai que les cerises, c'est de l'été. Ah oui, quand même. Et 65 fruits du dragon. Oh lolo, ça ne va plus tout ça. Oh, 472, aïe, aïe, aïe. Bon, on a vraiment pas de bol, hein. Île de garde, elle est déjà en train de repuer. Allez, Mathurin. Ah, t'as raison, ouais. Éclate-toi. Eh, c'est grâce à ton dur labeur qu'on a pu se l'acheter, hein. Au secours! Au secours! Cunégonde passe à travers son père! Est-ce que... Du coup, Mathurin n'est qu'une simple apparition? Est-ce que c'est un fantôme? Est-ce qu'il est vraiment réel? Oh! Elles sont trop choupettes avec leur balançoire et tout. C'est trop mignon. Mais écoute, si ça te dérange pas, Tancred, tu vas te mettre à la pêche aussi. Bon, vous nous chopez des poissons, oui ou non? Parce qu'on va manger ça ce soir. Oh, yes! Un guppy! Eh ben, dans la vraie vie, les guppies, c'est plus un amuse-gueule. Hein. Oh, mais vraiment, les jumelles, hein. Eh, y en a pas une pour faire des conneries et pas l'autre. Hein. Je sais pas pourquoi tu refais tout de suite la lessive, hein, Petronille, parce qu'on n'a qu'un seul fil... Donc ça va rester dans l'eau dégueulasse. Oh, mais la petite Sarah Marie a grandi. Oh la vache, elle est trop belle. Et tu... Oh, tu peux pas lui parler. Oh mais non, c'est pas drôle. Petronille, s'il te plaît, ne va pas te coucher tout de suite. Tu vas faire le barbecue, un festin avec du poisson. Oui, puisqu'on a... Bah je t'ai filé le poisson de ton fils, je crois que tu vas tous les utiliser. Bon, c'est pas grave. Allez, vous pouvez rentrer les garçons. Il commence à se faire tard et tout. Bon, voilà. Miam miam miam, enfin autre chose que des macaronis. Oh my god, Radgonde, elle a envie de faire son intéressante avec son nounours là. Oh, tu m'agaces, tu te changes tout de suite. Mais Fichtre, je viens de penser que j'avais pas encore payé l'auberge. Oh, mais c'est pas vrai. Donc on a eu 3 bains et 1 lit d'occupé. Ça nous fait 60. Ça fait 110 simflouzes. Voilà, 110 simflouzes. Les dettes sont payées avec du retard, mais payées quand même. Oui, le repas est prêt. Maman, tu vas appeler à table quand même. C'est excellent en plus, avec du bon poisson frais que Fulbert a pêché. Oh, regardez ces jolies couleurs dans les assiettes. Oh, du vert surtout, des légumes. Oh là 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 là, on est content. Allez, ma belle Petronille, tu es éreintée, tu n'en puis plus. Dors bien, les gamines feront le ménage pour toi. Qu'est-ce que je disais, Radgonde, elle fait la vaisselle. Pendant que tout le monde dort, ou part dormir... Cunégonde est finie de nettoyer ses bêtises. Hé, hey, tu vas pouvoir aller dormir, cocotte. Anastase, il a cédé son lit à son petit frère qui était très fatigué. Allez, c'est enfin maintenant que je vais pouvoir vous quitter en espérant que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit like, évidemment, comme d'habitude, un commentaire. Vous savez très bien que j'adore ça et qu'en plus, je vous réponds à chaque fois à regarder des pubs sur YouTube pour me soutenir gratuitement. Tout ça, tout ça. Et je vous fais des très gros bisous. Je vous dis à la semaine prochaine pour la suite du Lord & Lady Challenge. Ou d'autres choses. Oh, de la neige. Salut.